In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Je suis désolée, Desmond. Il a parlé du désert. Tu crois que... Ils ont envoyé une équipe sur place. Il n'y avait personne. Je ne sais pas où sont tes parents, ni même s'ils sont encore en vie. Mais une chose est sûre, ils s'étaient déjà enfuis. Merci. Merci d'avoir vérifié. La situation n'est pas désespérée. Non mais tu t'entends parler? Ils ont littéralement exécuté tous ceux qui auraient pu m'aider à sortir de ce trou. Ensuite, j'apprends qu'il ne reste plus aucun assassin encore en vie. Je ne connais toujours pas les véritables intentions de ces gens. Si ce n'est qu'ils me tueront moi aussi, quand ils en auront terminé. Mais à part ça, la situation n'est pas désespérée. Essaie de ne pas perdre confiance. Tu es... Aie confiance. Va dormir, Desmond. Tu auras besoin de toutes tes forces. Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Assassin's Creed. Épisode 36, je tenais à vous remontrer ce passage, justement parce que je n'avais pas vu. J'avais pas vu qu'en fait, elle montrait qu'elle avait plus de doigts, donc c'est bien un assassin. Lucy est une assassine. Assassino ! Donc on va reprendre un tout petit peu avant là où on s'était laissé. Histoire de faire une nouvelle crise d'épilepsie. Il est encore tôt, dites donc. Je veux qu'on en finisse aussi vite que possible. Si vous le dites... Ne faites pas cette tête, monsieur Miles. Ce jour s'annonce historique. J'aimerais bien pouvoir me venger de lui, un de ces quatre. Pour les années à venir. Ta gueule, hein. Du moins, pour certains d'entre nous. Ferme-la un peu! On n'a pas le temps pour ces conneries, là. En plus, j'ai déjà vu ta ligne de dialogue, mon gars, donc... T'es inutile sur ce coup. Complètement inutile. Allez, on perd pas de temps, on attaque la dernière séquence, je pense. Normalement, on est de retour à Masyaf. Et on avait bien tout réglé de ce côté-là. Il nous reste donc plus que la séquence Mémoire 7, dernière séquence du jeu. De la session, oui. Pas de précipitation. Quand vous avancez lentement, vous avez plus de chances de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont-ils tous? Partis rejoindre le maître. Les Templiers, ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. Ta gueule, hein. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Arrête de me suivre! Notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Ok. Si je viens de parler, ça fait quoi? Le monde sera purifié. Nous en bâtirons un autre. Ok, ils sont lobotomisés, tous les gens, là. On va vite rejoindre Al-Mualim. Vous êtes trop chelous, tous. Nous obéissons à la volonté du maître. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ou pas. Pas du tout, d'ailleurs. On va se battre ou quoi? Ouais, c'est sûr. Ça pue. Quoi? Mais je vous ai rien fait. Oh putain, je me suis fait défoncer. Oh, quelle bande de bâtards. Je me suis fait déglinguer. Mais... Il suffit. Ils sont costauds, eux. Bah c'est... C'est pas tombé. Voilà. C'est moi maintenant qui suis pas...
Non, il va faire tomber cet enfoiré. Laisse-moi tranquille. Oh, il peut, on peut pas tomber. Il me saoule, hein. Ok. Putain, les bâtards. Défonce. Eh ouais, mais... Ah, saleté. Je me suis fait déglinguer. Les complices que vous avez libérés vous permettent d'échapper à la... Ok, je crois qu'on va galérer. Oh, c'est quoi ça? Il fallait le terminer. Il fallait le terminer. Non. Voilà. Tu vois, je t'ai mis un contre, c'était même pas prévu. Finis-le. Oh, t'es bienvenu, toi. Oh, t'es le bienvenu. Oh oui. Quel gros lâche qui attaque par derrière, là. Hop là. Il faut terminer. Merci. Hop là. Eh oui. Il reste plus que toi, mon petit gars. Quoi, t'es mort? Oh non, pas encore. Il s'est détourné du vrai chemin. Quoi? Il doit mourir. Ok. Eh ben, j'espère qu'il y a une sauvegarde entre les deux. Par derrière encore. Hein. Ok, moins un. Ok. Quoi? Quoi, vous cassez? Laissez-moi vous buter! Altaïr, par ici! Ah! Eh bah, pour une fois que tu sers à quelque chose, toi. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui. Comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Bien sûr que j'avais raison. Nous a manipulé. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Colin, tu es dans le camp des gentils. Sois prudent, Malik. Si on a l'occasion, il nous éliminera comme les autres. Ne t'approche surtout pas de lui. Qu'est-ce que tu suggères? Mon bras est toujours vaillant, et mes hommes me suivront. Ce serait une erreur de ne pas compter avec nous. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrais affronter Al-Mualim. Bien vu. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. Ouais, enfin, à ce niveau-là, c'est plus vraiment votre maître, quand même, hein. Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Allez, bah laisse-moi passer maintenant, mon cher Malik. Il est temps pour moi d'aller défoncer la gueule de Al-Mualim. Ces innocents. Cassez-vous! Pourquoi vous me regardez tous là?
Ils sont flippants quand même à regarder comme ça. Hein. J'avoue, c'est bien fait. Alors, Al-Mualim, où es-tu? Que je te pète la gueule. Enregistrement, ok. Eh ben, allons-y, hein. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Mon disciple est de retour! Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr! Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Venez! Tuez le traître! Il n'a pas sa place en ce monde! Ah, c'est tous les gens que j'ai butés! Ok. Ah, ça commence. Loupé, enfoiré! Ça, c'était Cybrand! Ça, c'est Robert! Robert! Casse-toi, Cybrand! Je me rappelle plus de leur nom. Hein. Vas-y, bute-le! Voilà, moins un! Allez, hop, tu dégages! Ah oui! Toi, je m'en rappelle dans ton palais! Mais je me souviens plus de ton nom! Cybrand, tu commences à me faire chier! Hein. Oh Robert! Hop là! Hop là, toi, je m'en rappelle plus non plus! Allez, Cybrand, on n'en parle plus! Voilà! Ah oui, toi, je me rappelle aussi! Hop, il reste plus que toi. Et voilà. Oh les pauvres. Affrontez-moi. Auriez-vous peur? J'ai fait. Tu te lâches. Plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne veut plus rien contre moi. Ok. Ça risque d'être un combat difficile. Mais je vous attends. Faut le descendre. Allez, moins un. Qu'as-tu à dire avant de mourir? Vous m'avez menti. Vous condamniez de Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon. Et je vais faire pareil avec toi. Mais je fous. Ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? C'est pour te tuer, mon enfant. En fonction de ce qu'il est. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir. Et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier, quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. De l'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'Orbe d'Éden. La parole de Dieu. L'Orbe d'Éden. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin, Eris qui provoque la guerre de Troie, rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment?
Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre. Une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Ah, il aurait pu le tuer comme ça, il l'a pas fait, hein. Bon, il va peut-être me tuer, cela dit, mais... il va peut-être me buter. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais. T'es où, connard? T'es où, sale con? Je viens de te chercher, c'est ça? Ah, t'es là. Ok. Mon épée déchire le voile de l'obscurité. Elle doit pour moi. Allez, vas-y, attaque! Je fous! C'est tout ce que tu sais faire! Je sens que tu vas être très nul. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais pouvoir t'insulter. Enfin, j'espère. Ce serait bien quand même. T'as vu la surprise, mon gars? J'arrive par derrière. Moi aussi, je sais faire le lâche. C'est tout? J'aime bien la musique, par contre. De toute façon, la bande-son des Assassin's Creed, en règle générale, hein. Vous avez peut-être des contre-exemples, mais... Oh, ce que je t'ai mis. Oh, ce que je t'ai mis, mon gars. J'allais dire, en règle générale, la bande-son des Assassin's Creed est quand même sacrément cool. Mais d'où tu viens, toi? Vas-y, marave-le. Alors là, c'est l'ordi qui a pas voulu. Là, c'est l'ordi qui a pas voulu. Boum! Non, pas la plante, pas maintenant. Oh oui! T'es nul! T'es mauvais! T'es tellement nul! T'es plus nul que Whisper, mon gars! Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Mérite amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix? Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Ça, c'est pour et moi. À connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite. Ferme ta gueule, Al-Mualim. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. T'es mort, normalement. T'as plus à parler, là. Celui qui augmente. Oula, attendez, je me suis peut-être approché un peu trop près. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Oh, si tu le peux, Altaïr. Et le veux-tu? Sympa. C'est là où doit y avoir toutes les orgues d'Éden. Enfin, on la tient. Oui, donc.
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien? Nous avons la carte. Combien? 6, peut-être plus. Un peu plus. Nous devons prévoir une marge d'erreur. Je ne peux pas croire que tous seront en état de marche. Et au moins 2 se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés. Nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier. Un seul nous suffira amplement. Et les autres? Nous les récupérerons, ne prenons pas de risques inutiles. S'il reste un seul survivant, il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre. Et l'assassin? Il ne nous sert plus à rien. Tuez-le. Attendez. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Et Desmond ne dit rien. Expliquez-vous. Nous avons encore besoin de lui, de ses souvenirs. On devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites. Qui sait ce qui nous attend là-bas? On perd notre temps. Vous l'avez dit vous-même. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Très bien. Mais quand nous n'aurons plus besoin de lui, tuez-le. Bien. Et Desmond ne dit rien. Arrêtez de saper mon autorité. Je viens de vous sauver la mise. Respecte mon autorité. Nous avons beaucoup à faire. N'allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire, Monsieur Miles. Nous reviendrons bientôt. T'as la haine? T'as les glandes, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es une cible! Tu es une cible, mon gars! T'étais en rouge. Ok. Ça alors? C'est du sang? Il y a du japonais aussi. Qui était enfermé avant moi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? 22h13. Je me demande ce que ça signifie. Et voilà les amis, c'est la fin de Assassin's Creed, qui laisse évidemment entrevoir une suite qui est disponible sur ma chaîne. Ça tombe bien, si vous voulez enchaîner, vous pouvez, grâce au let's play d'Assassin's Creed 2 qui date d'il y a quelques années déjà. N'hésitez pas à le regarder. Honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Alors, c'est pas en 4K, j'avais pas d'écran 4K à l'époque. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Bah évidemment, c'est le premier Assassin's Creed. Le premier Assassin's Creed, donc forcément c'est pas le meilleur. Par contre il est vraiment génial. J'adore me retrouver dans les villes. Alors quelques bugs, quelques pétages de câbles, notamment à cause du repop incessant des ennemis. Alors ça vraiment c'est mal foutu. Par contre l'univers Assassin's Creed, et bah il est là. On a fait connaissance avec Desmond, on a fait connaissance avec Lucie. Le 2 est vraiment cool. Franchement, c'est une licence que j'adore. Je ne pouvais pas ne pas le faire. D'ailleurs, ça lance un petit peu la licence Assassin's Creed sur cette chaîne. J'espère que tout vous aura plu. Je vous remercie encore d'avoir regardé, d'avoir lâché autant de likes, de commentaires. Je ne vous citerai pas tous, mais évidemment, merci à l'ami Kiwi, à l'ami Colin, à l'ami Fritz, à l'ami... Oh putain, je suis fatigué. À l'ami Brian, évidemment, à l'ami Friend Karma, à l'ami Nabil, plein de monde, tous ceux qui ont laissé leur like, évidemment, à l'ami Michel, toujours là, merci à vous tous. On se retrouve très vite, et bien pour un prochain let's play. Je vous laisse avec les crédits. Merci encore, à très très vite, et à ciao, bye.